Eh bien, nous nous retrouvons donc pour ce 7e épisode de Décision médiévale. Donc, on en était. Donc, on avait dit à l'épisode précédent ce qu'on ferait, c'est qu'on développerait cette tour. On va peut-être même la développer jusqu'au niveau 3. Comme ça, on est tranquille. Et ensuite, on ira dans ce quartier-là essayer de trouver le dernier maître. Et s'il se planque bien ici. Donc, on va y aller. Donc, pour la tour. Voilà, bon, on est à 54% pour la tour. C'est bon. Mis trop près. Bon, allez. Mettre 2 heures à tuer un mec en même temps. Bon. On va la monter au niveau 3, comme ça, ce sera fait. Et on reviendra pour la mine plus tard, mais franchement, les premières mines que l'on a sont suffisantes pour nous produire tout ce dont on a besoin. Donc, elle attendra, quoi. Ce sera vraiment pour, voilà, quoi, pour atteindre le niveau maximal. J'avais pas vu l'orque. Enfin, le troll. Oh, je confonds troll et orc, moi. Faut le faire quand même. Moi, un ancien joueur de World of Warcraft. Intolérable. Bon, écoutez, hein, je vous laisse les portes. Moi, je m'occupe des trolls. C'est bon, on a réussi à gérer. Ok. Voilà, donc là la menace elle est à zéro et puis elle bougera pas. Donc on va aller. Ah, attendez, parce que je suis à 9, 9000. Fuck it. Voilà, j'ai ma cote de maille, elle est au max. Non, c'est là que je voulais. Et donc, on va aller explorer ce secteur. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a la mine, la foire et la tour.
et tout est par là, ok. Ok, il y a un troll encore dans le secteur. Je me casse. Ah la vache! Il m'a détruit la moitié de ma vie qui me restait. Bon bah. Chiant les loups-garous, hein. C'est bon, il y a encore des candidats. Ça va, c'est pas scripté ça, ce passage. En plus, y a rien. Bon. Il est encore en vie, lui. Bon, allez, on a enfin découvert quelque chose. C'est quoi? C'est la foire. Ouh, et ben, le niveau de menace ici, il est vraiment chaud. Ok, ici, j'ai la mine. Il y a un civil ici, mais je pense qu'on va le laisser à son sort. On a d'autres choses à foutre.
stage 3. Okay. Bon, on va le prendre quand même. Oui, je sais, mais tu vas crever. Hein. Il y a très peu de chances que tu survives, mec. Quoique. Avec un peu de chance. Ok. Et on doit traverser la ville. Tout va bien. Ici, y a rien. Ici, il me faut le crochetage. Bon. C'est par où la sortie? C'est par là. Et ça, je suppose que... Ouais, coffre 3, faut crochetage. Bon, je suis paumé là. Ok, d'accord. Ah oui, je reconnais. C'est là où je me suis fait défoncer. Bon, on va voir quand même s'il y a des quêtes secondaires à faire ici et là. Oula, vas-y, rends-moi le contrôle de la souris, tu seras bien sympa. Ok. Et ici y a rien. Bon. Bon, on se casse. Excusez-moi, voilà. Hop. Ok, alors là, dilemme. Parce que là, on s'est attaqué et ici, il faut pas que la menace augmente. La menace augmente de 7%. Bon, bah, on va... Est-ce que tant pis, on laisse... On laisse couler. On peut, hein, laisser couler. Hein. Là, la menace ici, elle est à 70%, on peut pas la laisser augmenter davantage. Voilà, c'est le genre de dilemme qu'on a, vous voyez, quand on a un fort taux de menace et un secteur qui se fait attaquer. Eh ben, fuck it. On va laisser le combat se dérouler, ils vont bien se débrouiller sans nous. Là, ça va vraiment pas là. Faut vraiment que je récupère. On va aller voir les zombies qui est à gauche. À gauche, c'est des zombies, c'est pas trop dangereux. Ça, par contre, c'est dangereux, ça.
Oh, violent! Violent, violent! Voilà pourquoi je peux pas laisser la menace augmenter. Je peux vraiment pas. Oh, c'est pas vrai, je suis coincé. Oula, il me reste plus beaucoup de points de vie là. Bon, je vais essayer d'en dégommer quelques-uns comme ça. Là par contre faut viser juste, c'est ça le problème, c'est que quand on est dans une tour comme ça faut viser juste en fait. Ça c'était pas mal ça. Ah, c'est vrai que d'accord, donc ça c'est une stratégie éventuellement qu'on peut adopter assez facilement, ouais. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais bon, après c'est trop loin. Mais là déjà on a fait un joli carnage, hein. En pétant deux tonneaux. Oups, j'ai cliqué à côté. C'est toi que je veux, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux. Ouais. Non, 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 je veux pas quitter, je veux pas quitter. Juste me barrer et puis on va terminer ce qui reste de Stromon. Voilà. Quitte la mission. J'ai vu qu'il y avait un point vert sur la carte, mais ça doit être un civil qui s'est planqué, mais bon. Tiens, j'ai encore buté des trolls. Ah bon. Bon, bah la menace, elle augmente. Ouais, elle a 32%. Oh, ça va, je veux dire, c'est pas dramatique. On va continuer à diminuer la menace ici. On va adopter la même technique. On va déjà faire un bon nettoyage. Là, ici. Et là. Ok, alors.
ça déblaye un peu le paysage. Allez, hop. Oula. Je l'ai pas vu ça. Je le disais, j'entends un bruit bizarre. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est un civil qui est là. Je m'en doutais bien. Bon bah ça c'est fait. Bon, et ben là on a un niveau de menace disons satisfaisant. Ici on pourra encore diminuer la menace, mais là il me faut absolument, c'est le dernier maître d'armes quoi, il me faut absolument ce maître d'armes. Voilà, et il est certainement ici, enfin j'espère qu'il est pas dans la dernière zone, parce que ça me ferait mal d'avoir gaspillé tout cet épisode pour ça quoi. Enfin bon, de toute façon dans tous les cas il aura fallu qu'on libère la zone arrivé un moment, mais... D'ailleurs, j'aime bien me concentrer sur une zone puis passer à la suivante après quoi. Organisation quoi. OK. N'empêche, ça vaut le coup, les entrepôts, les trucs comme ça. Alors là-bas, il y a encore des ouvriers, visiblement. Ah, peut-être un ouvrier et le maître d'armes. Non, c'est deux ouvriers seulement. Je suis dans la merde. Quand j'ai vu la quantité de monstres à gauche, je me suis dit... Nope. Bon. Bon, on y retourne. Oh, je suis désolé pour ma voix. Voilà. Plus 24 sur le... sur l'arbalète. Ça c'est gérable encore ça. Ah d'accord, par contre apparemment l'argent par contre je l'ai bien récupéré par contre. Ah c'est bizarre ça. Ah oui c'est vrai, ben ouais, ben on va déjà libérer la mine d'un premier temps.
Qu'est-ce qui se passe? Bon, ici y a rien. Allez. Bon, on a les deux ouvriers là-bas qui ont dû se faire défoncer, mais bon, ils sont immortels, donc ça aide. Voilà, ils sont au sol, mais et voilà, comme je dis, ils sont immortels, donc c'est pas un problème. Non, ça c'est la touche comme ça, que c'est pas la touche majuscule. Ok. Il reste 4 monstres, je les ai vus, ils sont au sud. Il y a un troll parmi eux, mais on... Ah oui, il y a un truc ici. Ah oui, la taverne. Quel con. C'est chiant quand on perd le contrôle de la souris comme ça. Ok. Ouais, bah c'est bon, c'est suffisant en fait. Bon, ok. Voilà. C'est là que ça se passe. Bon, et donc le maître d'armes n'est pas là. On va refaire un tour rapidement. Juste pour vérifier. Et si c'est un coffre 3, donc c'est même pas la peine. Coffre 2. Oh, c'est pas vrai, il est dans le... Il est dans la dernière zone, le maître d'armes. Il n'est pas là. Et ça m'emmerde. Vérifier avec le radar, hein, mais non. Non, 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 je l'ai. Je l'ai profond. En plus, j'ai de réagir, mais en fait, c'est. Ah oui, en plus, c'est la mine que j'ai. Que j'ai faite, là. C'est pas le. C'est pas la tour, je sais pas pourquoi, je pensais avoir cliqué sur la tour. Bon, eh ben. Tant pis. Atelier. Bon, l'arbalète était au max. On a au moins gagné ça. Je peux débloquer le poison. Ça, je vais en avoir besoin. Là. Ça, j'aimerais bien le développer, mais plus tard. Bon. Ben. qu'est-ce qu'on fait, résultat? On va développer. Allez, on va développer la taverne ici. Vache, elle est grande cette zone.
Et... Pas l'heure de la sieste, mec. Excusez-moi. Bon. Allez, debout les mecs, faut que je régène moi. Des flèches en plus. Ah bah si, il y a des archers ici. Pas vrai qu'ils se sont fait dégommer. Comment elles sont les recrues aujourd'hui? Médiocre. La honte de l'armée du Rouran. Mais c'est pas le Seigneur des Anneaux. Ah bon. Ah bah quand même, pas trop tôt. Bah, qu'est-ce que tu penses des recrues? Je pense que le jour où ils dégommeront un troll, moi je serai canonisé. Autant dire jamais. Voilà. Bon. Pour ceux qui savent pas, la canonisation, c'est quand le pape vous déclare comme étant un saint. Donc vous rentrez dans le panthéon des saints en fait. C'est ce qu'on appelle la canonisation. C'est quand vous êtes reconnu par l'Église comme étant un homme saint. Voilà. Et vous avez une chance sur 7 millions, quoi. Bon. Et encore, faut être un homme d'Église, quoi. Enfin, faut être un homme d'Église. Faut pas forcément rentrer dans les ordres, mais faut vraiment avoir fait quelque chose pour l'Église, quoi. Non, bah j'y vais progressivement, résultat, et puis bah ça marche. Hop! Mec, je voudrais pas l'amener, mais ça se voyait que lui il était pas mort. Le mec il se réveille, il met une mandale à un de mes gars, quoi. Tout va bien. Bon, allez, on nettoie la zone. Bon, et ben voilà.
On se fait attaquer là-bas. Ouais, je vais laisser la menace remonter, c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce qu'on bâtit la tour ici? Oh, puis remarque, on peut. Ouais, allez, on va bâtir la tour ici. Ouh, ouais, de toute façon, on n'a pas assez d'argent pour la taverne. Putain, ça serait quand même monté à 20 000 arrivé à un moment quand même. Ouh, c'est bon ça! Ah, je peux pas l'atteindre. Est-ce que je peux atteindre quelque chose par là? Ouais. Non, là c'est trop loin. Non, après c'est trop loin. Bon, j'ai déjà déblayé cette rue là. C'est cool. Ok les mecs, éloignez-vous, ça va faire mal. Ah, je vous l'avais dit que ça ferait mal. J'ai fait exploser tout le quartier en fait. J'avais mal estimé la quantité de charge explosive. Excusez-moi pour la toux, toujours. Ah non, mais tous les ans je tombe malade, hein, c'est comme ça tous les ans. Bah, elle est où mon arbalète du swag? Allez là. Allez, redonne-moi le contrôle de la souris. Allez, voilà. Ça aurait été vite fait. Ce tas de cadavres, quoi. Bon. Ce coup-ci, je vais me mettre bien loin pour... Ah, c'est pas vrai, je perds le contrôle de la souris, c'est chiant. Je sais pas pourquoi, ça c'est un petit défaut du jeu quand... Ah bah je l'ai eu en plus, c'est ça le pire. Le pire c'est que j'ai réussi à dégommer le truc quoi. À distance comme ça, bon.
qu'il y a là-bas? Il y a un soldat, ok, ça c'est un soldat. Salut les mecs, on y va. Des questions? Quelqu'un d'autre veut négocier? Bah où est-ce qu'il a appris à négocier? Ouais, le cinquième élément. On m'a reparlé encore de ce film-là il n'y a pas longtemps. C'est juste génial. Si vous avez jamais vu le cinquième élément, franchement, je vous recommande quoi. C'est... Ok, d'accord. Je vous laisse vous battre entre vous, les mecs. Apparemment, il y a des zombies d'un côté et. Apparemment, il y a les zombies d'à côté et puis les orques de l'autre. Donc, évidemment, quand ils se croisent, ben. Ah, bah, ça va être tranquille comme attaque en fait. Bon, il reste 7 ennemis, c'est des zombards, donc je me fais pas trop de soucis. Donc c'est bien ça, hein, le dernier maître d'armes, il est dans la dernière zone. On a combien là? 32? Wow, c'est rien, 32%. Bon, là on est à 10%. Et je peux certainement monter les équipements au maximum. Et j'ai même pas toutes les mines quoi, c'est ça le pire quoi. Tranquille, productivité 15 ici. Attendez, je fais le tour. Alors ici je produis 80. Bah en fait sur mes 3 zones ici je produis 80. Donc c'est tranquille. On sécurise une zone. Attendez, ici on en est où? Ici il manque le dernier niveau. Et ici manque le dernier niveau également. Ici on est niveau 3. Ici on va améliorer la tour. Ici la tour on va la monter jusqu'au niveau 3, comme ça on sera tranquille. On n'a pas d'équipement ici, non. Hop, plus 27 de dégâts. Pour 98%, 99, allez. Ah, ils arrivent entre deux, c'est pas possible.
Mais c'est trop tard, les mecs, rentrez chez vous. Allez. Bon. On continue. Allez, ce sera la dernière de cet épisode. Comme ça, on aura encore fait des tours. Quarante et un pour cent, on est presque. Allez. You shall not pass. J'ai même pas vu que j'avais pas le radar d'activer, mais ça fait rien. L'ennemi est trop proche, pourquoi il m'en... Ah ouais, non, c'est bon. Allez! Bah écoutez, ça aurait été assez bateau hein, comme épisode, hein, ça se fait tranquillement. On va même pas, on réagit même pas à l'attaque, aux attaques ennemies, mais bon. Allez, on met cette taverne là au maximum, comme ça on sera tranquille. On a le temps? Ouais, allez, on a le temps pour ça, juste rapidement. Hop, le radar. Objectif des gardes. Oula. Par là, il y a un 3 là. Salut les copains. Bon, je m'occupais du troll parce que sinon... Ok, on est sur la zone. Et on se tire. Il en manque un. Il est là-bas. Ben voilà. Doucement, ça se fait. Bon, donc ici, il reste plus que la mine à développer, et puis on a libéré le quartier. Simplement.
Alors, bah écoutez, ce que je propose, c'est... Ici, qu'est-ce qu'il nous reste? Ici, il nous reste que la taverne à développer au dernier niveau. Donc moi, ce que je vous propose... Excusez-moi, avant que je meure, c'est qu'on débloque cette zone. Cette zone-là, on va la débloquer. Comme ça, au moins, bah, on ira chercher le dernier maître au prochain épisode. Voilà, sur ce, eh ben, je vous dis à bientôt.